Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes à la Maison de l'Europe. Les rencontres du développement durable continuent. Et la journée est placée sous le partenariat avec l'école KEDGE. Et le sujet de notre table ronde de ce matin, la première, c'est produire durable, manager responsable. C'est un sujet majeur. Bien sûr, le sujet, on le connaît très bien. On connaît très bien le problème. Il faut repenser les modes de production. Repenser les modes de consommation, produire mieux, consommer mieux, peut-être certains disent produire moins, consommer moins. Et une fois qu'on a dit ça, il faut transformer les chaînes de valeur, aller jusqu'au dernier kilomètre de la transition. Mais est-ce que l'on peut faire ça avec les mêmes personnes? Est-ce qu'il faut changer les personnes, changer toute la façon dont l'économie est organisée? C'est le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui. Je vais vous présenter nos intervenants. En commençant par Jean-Christophe Carteron, qui est le président de Sully Test et qui est en visio avec nous à partir de son bureau. Le professeur Anicia Jegler, qui est à côté de moi, professeur de KEDGE Business School et doyenne associée pour l'inclusivité. Bonjour Anicia. Bonjour. Roland Lescure. Vous êtes député des Français établis hors de France, vous êtes président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et vous avez eu une carrière auparavant au Québec dans l'économie québécoise. Oui, j'ai eu une vie avant et j'aurai peut-être même une vie après. Mais on l'espère vivement. Céline Dassonville, à ma gauche, vous êtes présidente fondatrice d'Etiwork, qui est un studio d'impact, hein, si j'ai bien compris, vous nous en parlerez un petit peu. Et vous êtes aussi membre de la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Marion Chéniaud-Dupuis, vous êtes directrice générale de Global Nomade, et vous êtes surtout guide de haute montagne, avec une spécialité, une région dans laquelle vous êtes guide, l'Himalaya. Hélène Valade, vous êtes directrice du développement environnement de LVMH. Vous êtes aussi présidente de l'ORS, qui est l'observatoire de la RSE. Et vous avez, avant LVMH, travaillé dans d'autres grandes entreprises françaises. Donc, ce que vous avez à nous dire repose sur une longue expérience. Alors, nous avons 80 minutes à passer ensemble. Ce n'est pas beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite. Et je me propose de commencer avec vous, Roland Lescure. Vous avez été rapporteur général de la loi Pacte en 2019. Elle a modifié le code civil. Alors, une grande question, elle a tenté de donner une personnalité à l'entreprise au-delà de sa stricte activité. Alors, la question est toute simple. Est-ce que cette loi est appliquée? Est-ce que cette loi est suffisante? Comment la renforcer? Comment peut-être l'exporter? Merci. Merci à tous et à toutes d'être en ligne. Je suis très heureux d'être ici à la Maison de l'Europe. Ce qui n'est pas complètement sans pertinence, parce que je pense que ce dont on parle aujourd'hui, c'est un modèle de capital et de capitalisme peut-être extrêmement européen qu'il faut qu'on promeuve. Et au-delà des lois nationales, je vais y revenir dans une seconde dans le cadre de la loi Pacte, la prochaine étape de la loi Pacte, c'est surtout de faire un pacte européen et de s'assurer que ce qu'on a promu dans la loi Pacte, le fait, vous l'avez dit, que dans le code civil, toutes les entreprises doivent au moins se poser la question de leur impact sur l'environnement, de leur impact sociétal, que les entreprises qu'ils souhaitent puissent adopter une raison d'être et l'inscrire dans leur statut, et même au-delà, et ce que j'espère de plus en plus, que les entreprises puissent adopter le nouveau statut de l'entreprise à mission, que ça puisse se faire au niveau européen. Ça se fait déjà en Italie, ça se fait déjà au Royaume-Uni, même s'ils ne sont plus dans l'Europe, on peut quand même le noter. Il faut qu'on arrive à porter ces sujets au niveau européen. En attendant, qu'est-ce qu'on fait dans la loi Pacte et est-ce que ça marche? Donc, on a vraiment dans la loi Pacte l'idée que le capitalisme de demain, il doit changer du capitalisme d'hier. On doit garder le meilleur. Vous disiez peut-être qu'il faudra produire moins. Non, moi je pense qu'il va falloir continuer à produire, mais produire différemment, produire peut-être d'autres choses. Les entreprises ont un rôle à jouer dans la transformation du capitalisme. On est plutôt dans cette majorité d'une philosophie dite libérale, dans laquelle l'État a évidemment un rôle à jouer, mais dans laquelle des acteurs économiques ont un rôle tout aussi important à jouer. Donc il faut en gros que chacun se retrousse les manches, l'État en adoptant des lois, les entreprises en adoptant des comportements différents, les consommateurs, les consommateurs qui doivent eux aussi arrêter d'être schizophrènes, c'est-à-dire voter dans un sens le dimanche, mais consommer dans un autre le lundi. Donc on a vraiment tous un rôle à jouer. Et quand on regarde les résultats concrets de la loi Pacte, elle a été votée en fait il y a 3 ans, jour pour jour, presque, à l'Assemblée en première lecture.
Ben, on a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à la raison d'être, de plus en plus d'entreprises, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui adoptent le statut d'entreprise à mission, et surtout de plus en plus d'entreprises qui sont en train de réaliser que pour recruter des talents, pour les garder, pour vendre leurs produits, elles ont besoin de s'inscrire davantage dans cette idée de soutenabilité de la croissance, de durabilité du modèle d'affaires. Au fond, c'est presque aujourd'hui une nécessité, un devoir d'existence que d'adopter la responsabilité sociale d'entreprise. Donc on est vraiment, je pense, en train de changer de logiciel. Avant, on était beaucoup dans une logique de reporting. On faisait un rapport RSE à la fin du rapport annuel pour expliquer tout ce qu'on avait fait de bien, en espérant que les gens le regarderont avec les yeux de chimène. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment en train de changer les comportements parce que ça devient un sujet existentiel. Donc avant de terminer, juste un point d'alerte quand même. C'est que je le disais tout à l'heure, l'Europe est plutôt en avance. C'est un modèle européen qu'on met en avant. Mais les Américains sont en train de nous rattraper parce qu'ils ont bien compris que maintenant, il y avait une opportunité d'affaires à développer. Donc il faut que l'Europe garde son avant. Il faut que toutes les entreprises s'y mettent. Et il faut que les actionnaires changent aussi un peu de logiciel. Bref, on a besoin de tout le monde pour que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises à l'européenne devienne un peu le modèle qui s'impose ailleurs dans le monde. Une toute petite question. Est-ce qu'avec cette loi PACTE, la France est un peu en avance de phase sur le monde, ou alors elle rattrape son retard? Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je pense qu'on était, je dirais, un peu en retard par rapport à certains acteurs. Je parlais de l'Italie tout à l'heure, du Royaume-Uni, paradoxalement, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le havre de paix du capitalisme responsable, mais il y a quand même quelques niches. On a en fait... moi, je l'ai découvert en prenant cette responsabilité de la loi PACTE, un écosystème extrêmement dynamique, mais un peu dispersé. Tout le monde fait de la RSE, mais au fond, c'est tellement dispersé avec des associations, des communautés, des entreprises elles-mêmes, qu'on a un enjeu un peu de fédération. Est-ce qu'on a une marque française sur la RSE? Et je pense que la PACTE, ça fait ça. Ça permet de fédérer tout le monde derrière trois objets très simples, hein, le statut dans le code civil, la raison d'être et l'entreprise à mission. C'est un peu les trois étages de la fusée, de la RSE à la française. Maintenant, le risque, c'est qu'on se regarde un peu trop le nombril. Donc, il faut vraiment arriver à exporter ça à l'extérieur de l'Europe. Un, en faisant en sorte que les entreprises étrangères qui sont en France adoptent la dynamique. Et je pense qu'il y en a déjà qui sont prêtes à le faire. Et que deux, on négocie au niveau européen. Olivia Grégoire, notamment, le fait à Bercy aujourd'hui. Elle est responsable de l'économie sociale et solidaire. Pour que dans les statuts, dans la comptabilité, dans les comportements, le modèle européen se généralise. Merci beaucoup Roland. Je vais passer maintenant la parole à Anicia Jégler, mais avant je corrige une erreur. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le directeur de la rédaction de Pour l'écho, un à lire, magazine à lire, économique. À découvrir. À lire, bien sûr. Anicia, il y a eu beaucoup de discussions pendant la pandémie sur ce qui était responsable ou pas. Est-ce que l'après allait être différent de l'avant? Est-ce qu'on allait vers plus de responsabilités? Il y a notamment eu pas mal de discussions sur la fragilité des chaînes d'approvisionnement, on en a beaucoup parlé pour nos médicaments, le manque de souveraineté sectorielle, surtout pour ce genre de produits. Alors, le procès des délocalisations est général, et il dure depuis un bout de temps. Est-ce que, de votre point de vue, produire durable, c'est absolument relocaliser? Est-ce que les deux choses sont synonymes? Alors je pense qu'il serait bien sûr, comme d'habitude, il est impossible de répondre aussi facilement à cette question. Je pense que ça dépend des secteurs. Quand on parle par exemple de relocalisation et qu'on pense au secteur agricole, on peut bien évidemment se nourrir assez proche de soi, et encore ça dépend où on habite dans le monde. En même temps, il faut aussi que, on est sûr de parler des consommateurs, il faut aussi être capable de manger des légumes d'hiver en hiver et de ne pas vouloir des légumes d'été en hiver pour cela. Mais si on pense à d'autres secteurs, on a une supply chain aujourd'hui qui est mondialisée. Et quand on dit mondialisée, ça veut dire que pour fabriquer un produit, si je pense à des produits industriels, on a besoin de matières premières que certains pays ne possèdent pas et que par contre, par exemple, la France ne possède pas. Il est donc difficile de dire qu'on peut avoir une supply chain entièrement relocalisée. Pour certains secteurs, c'est possible. Pour d'autres, si je pense à toute l'électronique, on le voit bien aujourd'hui avec, par exemple, le secteur automobile qui a des problématiques par rapport à tous ces composants électroniques. Pour autant, on n'a pas
l'expertise et la production en France, mais même si on rapatrie une certaine expertise, dont je ne doute pas qu'on soit capable de le faire, on a un problème en termes de matières premières. Et après, on a un autre souci, ce qui est au niveau des clients. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui ont des clients partout dans le monde. Donc, que veut dire relocaliser quand, de toute façon, on va après transporter nos produits de partout ? Donc, je pense qu'on peut avoir certaines chaînes qui sont plus courtes, et qui permettent notamment de limiter les transports, puisque quand on pense à la durabilité, on pense aussi au côté environnemental et à l'empreinte carbone. Et l'empreinte carbone, on sait que dans la logistique, on a 50% des émissions qui sont dues au transport et au stockage, à toutes les activités qu'on dit logistiques. Et donc ça veut dire que, évidemment, si on est proche à la fois de ses fournisseurs et de ses clients, on limite cette part de transport et de stockage, et donc on va forcément limiter nos émissions. Mais quand on a des clients mondialisés et des fournisseurs mondialisés, eh bien, bien évidemment, c'est impossible. Ce qui veut dire que, quand c'est possible, en effet, je pense qu'on peut le faire. Donc il y a certains secteurs où on peut dire qu'on peut faire ce procès de la relocalisation et le faire à condition que les consommateurs veuillent bien acheter, eh bien, si je reprends le secteur agricole, les produits de saison. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi penser à reconfigurer certaines supply chains en changeant par exemple de mode de transport ou en innovant par rapport à ces transports-là pour qu'on puisse diminuer cette empreinte carbone lorsqu'on n'est pas capable de relocaliser entièrement la supply chain. D'accord, donc il faudra faire la différence entre la vraie responsabilité sur la taille des supply chain et puis la démagogie, parce qu'on entend sur ce sujet tout et n'importe quoi. Il y a certains qui disent que la France pourrait absolument faire tout. Il paraît qu'on n'est même pas capable de faire une crêpe complète si on n'accepte pas d'avoir une supply chain tournée vers l'extérieur. Merci, merci Anicia. Je vais me tourner maintenant vers... Oui, je pense qu'on peut faire une galette quand même. Hélène Valade. Hélène Valade, vous êtes donc directrice développement environnement de LVMH. Dites-nous, dans un groupe multinational... Il paraît que les plus grands obstacles au produire durable, ce ne sont pas les moyens financiers, il y en a. Ce ne sont pas les solutions, elles sont connues depuis des lustres. Le vrai problème, c'est la routine et les habitudes. Donc vous avez un job au sein du groupe LVMH, assez politique en fait. Comment est-ce qu'on change les habitudes ? Merci pour cette question. Je pense qu'en effet, c'est la... Le principal pour un groupe comme le mien, mais pour les entreprises de manière générale, puisque les solutions existent, on en reparlera, les moyens et la liquidité financière d'ailleurs dans le monde entier est telle qu'on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de moyens. En revanche, il y a de la reproduction d'habitudes, il y a beaucoup de processus qui ont été installés il y a de nombreuses années déjà et qui correspondaient à une vision du monde, ce sont, il nous semble, en tout cas, et je parle aussi au nom de la communauté des directeurs RSE que je représente au sein de l'ORS, il y a la nécessité de bousculer ces habitudes, ces processus, et pour cela, il y a probablement des méthodes à respecter de manière un peu plus formelle. La première, c'est la sensibilisation, la connaissance sur les enjeux qu'il s'agit d'adresser. Donc, évidemment, sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu de la biodiversité, sur l'enjeu de la circularité de l'économie. Sensibiliser l'ensemble d'un corps social d'une entreprise sur cela est absolument capital. Il y a beaucoup maintenant de formes très, très innovantes pour permettre cette sensibilisation. À mon sens, elle n'est plus suffisante, c'est-à-dire elle doit s'appuyer aussi sur la montée en compétences des sujets de la RSE et du développement durable de manière générale. Et c'est cela aussi que l'on s'efforce à faire, c'est-à-dire de mettre en place des programmes de formation qui ne sont plus de la sensibilisation, mais qui sont de la formation à agir autrement, et notamment pour l'ensemble des sujets de l'éco-conception, par exemple. Et puis, il y a ce que j'appelle en effet l'installation d'une culture systématique du questionnement et du questionnement qui consiste à se demander, je faisais ça de cette manière, quel est l'impact que ça a? Et si je faisais ça autrement, est-ce que je ne serais pas en train d'améliorer l'impact? Et on a notamment à LVMH lancé il y a un an maintenant un grand événement qui concerne nos 150 000 collaborateurs, qui s'appelle la LVMH Climate Week, et qui permet de partager à la fois
le diagnostic sur les enjeux et cette culture de l'impact pour inciter chacun, quel que soit son métier dans l'entreprise, à avoir ce réflexe du questionnement. Et ça rencontre, bien sûr, une sensibilité de nos collaborateurs qui est elle-même en train de se modifier, d'être très en sensibilisation par rapport aux thématiques environnementales. Et donc, ça produit des choses extrêmement neuves qui vont dans ce sens de la transformation et du changement. Je vous donne un exemple pour être concrète par rapport à cela. Chez LVMH, on utilise pour faire voyager, comme le disait Madame Gégler tout à l'heure, un certain nombre de produits dans les pays dans lesquels nous vendons nos produits. Et pendant des années, on a privilégié l'avion sans se poser la question de savoir d'abord l'impact que ça avait réellement et puis surtout si c'était bien nécessaire. Bon. Et là, avoir cette culture de l'impact, c'est se dire comment je peux revoir toute une chaîne logistique de manière à privilégier le bateau ou la route en fonction des lieux au regard de ce que j'ai besoin de transporter. Et notamment, tous les produits qui sont intemporels, eh bien, n'ont absolument pas besoin d'être livrés très rapidement. Donc, tout cela, il faut envisager des chaînes logistiques différentes. Et faisant cela, on a modifié donc un certain nombre de choses et on a aussi encouragé ces produits intemporels à être pratiquement maintenant dominants. Donc c'est extrêmement vertueux, il me semble en tout cas, dès lors que l'on prend ce sujet par cet aspect extrêmement humain qui consiste à faire en sorte que chacun puisse être partie prenante des choses simplement en se posant les bonnes questions. Et puis, si vous me donnez encore une seconde, il y a autre chose aussi qui me paraît capitale pour conduire cette transformation et pour la rendre efficiente, c'est la capacité à intégrer les collaborateurs dans la création et l'implémentation d'innovation. Il n'y a au fond personne de plus savant que celle qui est en charge d'agir dans l'entreprise et l'inclure dans les processus créatifs, dans les processus d'innovation pour que la personne ou les collaborateurs nous fassent part de leur expérience et qu'on soit en amélioration par rapport à cette expérience est capital. Donc on a aussi systématisé ces groupes de travail un peu transverses, un peu de co-création, de co-collaboration avec les collaborateurs eux-mêmes pour inventer de nouvelles choses, notamment pour l'économie circulaire, pour l'éco-conception, pour le sourcing notamment de matières premières plus alternatives ou en tout cas avec moins d'impact sur l'environnement. Voilà, c'est du coup la porte laissée ouverte pour la créativité et c'est assez révolutionnaire et ça produit des résultats qui sont assez révolutionnaires en ce moment. Merci. Hélène, deux petites questions rapides, un peu gênantes peut-être, et on les évacue. Et vous avez le droit de ne pas répondre. Votre mission, c'est d'évangéliser les forces vives du groupe LVMH dans la bonne direction. Alors, une question simple. Est-ce que les jeunes sont plus réceptifs que les moins jeunes? Et deuxième question, est-ce que les femmes sont plus réceptives que les hommes? Alors, je pense qu'on a affaire à une génération qui arrive sur le marché du travail, qui arrive dans nos maisons, qui est elle-même le produit d'une autre éducation, d'une autre sensibilisation, d'une autre attention à ces enjeux. Hein, c'est la génération YZ, si je puis dire, qui a eu de la formation, des cours qui ont commencé d'ailleurs pour certains en primaire, etc. On s'est suffisamment battu d'ailleurs avec mon collègue Jean-Christophe pour qu'il y ait des programmes de développement durable dans les cours dès le primaire. Donc on est en train de recueillir les fruits de ce travail. Donc une génération qui est en effet dans le schéma conceptuel, dont la sensibilité, dans les valeurs sont totalement différentes. Tout l'art pour éviter ce conflit de génération que vous pointez là est de les utiliser comme des ambassadeurs
pour permettre que leur point de vue, que leur manière de faire, que leur valeur pénètre plus largement le corps social du groupe. C'est au fond ça, il me semble, qu'il faut faire, parce que c'est aussi cette dimension humaine, elle est capitale à prendre en compte. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a 30 ans de carrière, écoute, voilà, tu as fait comme ça pendant 30 ans, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Bon, c'est vraiment de la transformation très humaine qu'il faut conduire, et donc s'appuyer sur cette génération pour être ambassadrice auprès de la génération, des générations d'après me semble extrêmement important. Et puis encore une fois, capacité à produire ce questionnement, alors là pour le coup vaut pour tout le monde et quelles que soient les générations. Le sujet homme-femme, il est assez compliqué et je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège en effet de l'approche par le genre de la question environnementale. Je vous cite en deux secondes une petite anecdote qui m'a beaucoup frappée. LVMH, en fait, est un groupe d'agriculteurs et d'éleveurs, c'est-à-dire que tous nos produits dépendent totalement de la nature, et si on n'a pas du raisin pour faire du champagne, des fleurs pour faire les parfums, alors nous ne sommes rien. Et donc je suis en train de rencontrer l'ensemble de ces agriculteurs et de ces éleveurs, et à ma grande surprise, j'ai rencontré que des femmes. Chefs d'exploitation agricole, éleveuses, etc. Et donc, le premier réflexe, c'est de se dire, mais c'est merveilleux, parce que les femmes vont avoir, au fond, par rapport au bien-être animal, par rapport à tous ces enjeux environnementaux, beaucoup plus de sensibilité. Et c'est vrai que l'on voit des pratiques qui sont en train de changer fortement dans l'agriculture. Et l'on sait que le poste carbone de l'agriculture est très important. Donc, c'est un enjeu très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être une question de genre, mais surtout le fait que ces femmes arrivaient dans l'agriculture par l'école, par la formation, et non pas parce qu'elles avaient reçu en héritage, si je puis dire, une exploitation. Et donc, le fait d'arriver comme ça change complètement leur attitude par rapport à leur travail d'éleveuse ou d'agricultrice, ce qui veut dire que c'est bien cette question de l'héritage qu'on reçoit et qu'on est un peu obligé de reproduire, qui est plus portée par les hommes, qui fait que ça n'avance pas autant sur le plan environnemental. Voilà, donc effectivement, il y a une question homme-femme. Et puis en même temps, il faut savoir l'analyser peut-être au-delà de cette question du genre. Merci Hélène. On va rester sur cette histoire des compétences, parce qu'évidemment, le manager responsable, c'est faire en sorte que les gens aient des compétences, que les gens aient de l'employabilité, comme on dit. Et on va passer à Céline Dassonville tout de suite. On a parfois l'impression, Céline, que dans l'ère du numérique, où les choses vont extrêmement vite, l'intelligence artificielle, etc., on est dans une sorte de mécanique très délétère d'obsolescence programmée des compétences. Et donc, mettant le manager qui a des velléités de responsabilité devant un défi, enfin, comment arrêter l'érosion des compétences? Parce que, et je le dis, et après je vous laisse la parole, la France... Tous les classements internationaux, vous savez, sur les jeunes et les maths, les jeunes et le français, bon, c'est pas terrible, hein, malheureusement, hein, on n'est pas là pour se flageller, mais il faut le dire. Mais il y a un troisième classement sur les compétences, pas le talent, pas la créativité, les compétences, c'est différent, qui est aussi également catastrophique. Alors voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Alors effectivement, juste pour revenir sur ce terme obsolescence programmée de la compétence humaine, c'est une réflexion qui m'est venue en faisant en me formant à nouveau auprès de l'Université de Cambridge sur la circularité. On parle beaucoup de business model circulaire. C'est effectivement un des leviers majeurs pour atteindre plus de durabilité. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a questionné et qui m'a dit « Mais qu'en est-il si tu as une entreprise qui gère de la ressource humaine? Comment est-ce que tu gères une ressource humaine qui va pouvoir durer ?» et qui va peut-être être moteur de ces changements. Et donc, merci beaucoup à Hélène d'avoir abordé ce sujet, qui est de se dire, aujourd'hui, pour engager la transformation qu'on a besoin de faire, on ne pourra le faire pas avec un département RSE, pas avec une RSE qui est en dehors de l'activité cœur de l'entreprise, mais on pourra le faire avec toutes les ressources engagées dans la transformation. Donc toutes ces ressources engagées dans la transformation, ça veut dire d'une certaine manière lutter quand même contre une forme d'obsolescence programmée qui existe aujourd'hui sur la ressource humaine. Moi, je la ressens parce qu'il est difficile aujourd'hui pour un jeune d'intégrer
finalement sa contribution au monde du travail, et je la ressens parce que je suis le témoin quand même de pas mal d'obsolescence programmée de personnes qui ont énormément de compétences et qu'on voit dès 45 ans, dès 50 ans, être mis en dehors de cette contribution positive qui pourrait apporter à la transformation. Parce que dans la transformation dont on parle, et c'est le point important qu'Hélène mentionnait aussi, c'est que des gens qui ont une compétence, qui ont de l'expérience, peuvent être des moteurs extrêmement puissants de la transformation, mais que s'ils sont formés au nouveau paradigme. Et donc, on se retrouve un petit peu avec le paradigme de produire durable dans un même paradigme qu'on a eu avec l'arrivée du digital. C'est-à-dire, ce n'est pas le sujet d'un département, c'est le sujet de tous les départements, et c'est le sujet d'engager tout le monde sans créer de l'obsolescence sur les compétences des individus qui sont là. Et c'est peut-être une formidable opportunité de trouver des solutions, notamment sur les problèmes de chômage, et de repenser un business model où la personne compétente n'est pas forcément jetée à la poubelle, mais peut contribuer, peut-être en repensant aussi le modèle salarial, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas continuer dans une forme de circularité avec de l'intergénérationnel à avoir des salaires qui croient, et qui, à un moment donné, ne créent pas des cercles vertueux de partage de la valeur. Vous voulez dire que les gens, à partir d'un certain âge, devraient apprendre de se faire à l'idée que leur salaire va diminuer un petit peu. Il y a des pays qui font ça, aux États-Unis, en Floride par exemple, c'est le cas. Je dirais pourquoi pas, mais je dirais que la manière dont aujourd'hui certaines sociétés rejettent l'individu de plus de 50 ans parce qu'il coûte trop cher et ne le forme pas à ce nouveau paradigme est inadmissible. Et donc, il faut aujourd'hui tous se mobiliser, pas que grandes entreprises, parce que ce qu'a dit Hélène Valade est quand même une exception, c'est-à-dire des entreprises qui forment tous leurs collaborateurs au nouveau paradigme de l'économie circulaire et du penser durable et du produire durable, c'est extrêmement rare. Oui, très très rare. Roland, vous voulez intervenir dessus ? Non, mais juste, d'abord, sur la formation et les compétences. C'est clé. Et effectivement, le temps de la hausse des salaires à l'ancienneté, ça s'est terminé. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'accompagner nos salariés, nos entrepreneurs individuels dans la durée pour les former au métier d'avenir et faire en sorte que du coup leur rémunération soit au niveau. Mais quand même, vous disiez, on a un problème de compétences. Hein. Je voudrais rappeler quand même qu'on a fait un peu de travail là-dessus et que notamment du côté de l'apprentissage. On était le dernier de la classe, on formait 200, 250 000 apprentis par an, on est arrivé il y a 5 ans, on regardait l'Allemagne qui en formait 500 000 par an. On en forme désormais 2019, j'espère que ce sera le cas aussi pour 2020, on n'a pas les derniers chiffres, et 2021 surtout, plus de 500 000 aujourd'hui. C'est vrai. On a été capable de changer, oui, les comportements, on a mis en place des organisations de la formation différentes, on a donné la responsabilité aux entreprises, parce que c'est finalement elles qui savent le mieux à la fois quels sont les besoins et comment on forme. Mais surtout, on a changé la culture. Et dans toutes les entreprises, je suis sûr que LVMH en utilise beaucoup, l'apprentissage, l'alternance est en train de prendre un essor extraordinaire. Parce qu'au fond, si on veut que les employés de demain, les Françaises et les Français qui sont aujourd'hui jeunes et qui seront moins jeunes demain, soient adaptés aux enjeux que vous mentionnez, économie circulaire, transition écologique, production durable. L'inclusivité aussi, le sujet de l'inclusivité. L'inclusivité, mais évidemment. Moi, j'étais hier à un autre événement où le président de la République a rappelé que la meilleure manière de sortir les jeunes issus de la diversité qui sont dans les quartiers difficiles de la situation souvent très difficile dans laquelle ils sont, c'est la formation, l'entrepreneuriat, la capacité à les accompagner dans la prise de risque. Donc on a vraiment besoin, je pense, de continuer à changer cette culture et de renforcer la relation entre l'entreprise et le bien commun. Il faut prendre la formation au sérieux. Il faut que tout le monde, finalement, se retrousse les manches, entreprise, on a peut-être dit tout à l'heure consommateur, salarié, et évidemment la puissance publique, qui a un rôle à jouer, mais qui ne va pas tout faire tout seul. Et je pense que c'est vraiment en train de changer aujourd'hui. Si je peux juste rebondir pour faire le lien. Du coup, c'est vrai que Hélène parlait tout à l'heure de l'apprentissage et du fait que les jeunes générations soient aussi ambassadrices. Et je pense que là, on fait le cercle parce que l'État a permis qu'il y ait plus d'alternants. On le voit nous-mêmes dans nos formations où l'alternance est moins vraie, dans le programme Grande École, par exemple, où il y avait moins d'alternants. Là, on a doublé le chiffre. Et ces jeunes, justement, sont ambassadeurs
et permettent de pouvoir diffuser ce qu'on leur apprend, qui sont des compétences et des connaissances nouvelles au sein des entreprises via l'alternance. Et donc très tôt, on arrive à avoir le cercle entre les entreprises, l'État et les écoles et l'enseignement qui change, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Céline, encore un mot, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos amis qui sont... Alors, rapidement, puisqu'il y avait le sujet de l'inclusivité aussi qui était en questionnement, et puis le sujet des mouvements aujourd'hui qui sont assez virulents, on va dire. On a des mouvements comme Extinction Rebellion, on a des mouvements aussi de lutte de ce qu'on appelle, ce qui vient des mouvements issus des États-Unis de woke, c'est-à-dire d'éveil des consciences qui visent à nous sensibiliser. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est pas forcément ce mouvement de rébellion, puisqu'on ne devrait pas laisser les gens sur le côté et ne laisser que la violence comme mode d'expression. Mais ce que je vois qui me réjouit, c'est justement des initiatives comme la loi Pacte qui vont permettre, et ça serait bien que ça soit la prochaine étape, d'avoir une comptabilité dans laquelle on a une comptabilité environnementale et sociale, puisque le sujet du social est extrêmement important pour inclure tout le monde dans cette transformation. On voit de plus en plus de collaboration et de coalition, et ça, c'est une chose extrêmement positive. Et je pense que les mouvements comme le manifeste pour un réveil écologique, la convention des entreprises pour le climat, la convention des employés pour le climat, sont des mouvements extrêmement importants. Et c'est tous ensemble, issus de la société, État, individus, citoyens et salariés, dirigeants, qu'on arrivera à transformer aujourd'hui la société. Merci beaucoup. Jean-Christophe Carteron, donc on a beaucoup parlé aujourd'hui donc, de la formation, le fait que les gens sont au courant ou pas du nouveau paradigme et que parfois ça crée des tensions dans les organisations. Vous êtes un expert de la pédagogie sur ce sujet-là, le sujet du produire durable, manager responsable. Alors parlez-nous des outils que vous avez inventés pour tester finalement les compétences en matière de durabilité et de responsabilité. Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Vous pouvez les partager avec nous. Merci. Tout d'abord, nous, on a toujours été intéressés à savoir pourquoi intelligents prenaient des mauvaises décisions. C'est un des vrais enjeux. Et dans ce qui a été évoqué ce matin, on a évidemment ces sujets qui arrivent. En fait, nous, on a une vraie conviction, c'est que la quasi-totalité des crises économiques, sociales et environnementales auxquelles l'humanité fait face sont les conséquences de décisions humaines, en règle générale, prise dans un cadre professionnel et très souvent par des gens qui sont et intelligents et bien formés. Et puis la deuxième conviction, c'est que la plupart des gens sont des gens sympas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui rêvent de détruire la planète. Il y a évidemment des gens qui vendent des armes à des enfants ou qui veulent aller chasser le dernier ours polaire, mais en règle générale, les gens sont plutôt sympas. En tous les cas, c'est une posture qu'on a dès le début. Et par contre, Si les décisions qu'ils prennent amènent la déforestation, le travail des enfants ou les subprimes ou d'autres problèmes comme ça, c'est parce qu'ils ne se sont pas forcément posé toutes les questions. Et c'est vrai qu'on est assez atterré par le niveau assez limité de connaissances, non seulement des problématiques, mais des solutions, par nos dirigeants politiques et économiques. Et même de nos experts qui, parce qu'ils sont experts, reviennent dans un champ d'expertise. Et on peut, la vision systémique qui est quand même juste indispensable pour comprendre le lien entre le social et l'environnemental, pour prendre juste cet exemple. Et en fait, on est parti sur le principe que quand l'économie s'est mondialisée il y a quelques années, il a fallu vérifier que les gens parlaient anglais, et donc il y a eu des tests comme le TOEFL ou le TOEIC. Depuis quelques années, dans les écoles, on commence à vérifier si les gens maîtrisent trois trucs sur le digital, donc il y a des certificats digitaux. Eh bien, on est en train de sortir le certificat, une espèce de TOEFL du développement durable, une sorte de code de la route. Alors, ça ne garantit pas que vous savez conduire, passer le code ne garantit pas ça, mais ça garantit qu'avant de prendre des commandes, vous savez qu'au feu rouge, vous vous arrêtez, ou au feu vert, vous pouvez passer. Et alors, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a créé un certain nombre d'outils qui font des outils de suivi, notamment reconnus par l'ONU,
des objectifs du développement durable. On a des tests en ligne et on fait passer ces tests. Donc, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui l'ont passé dans le monde, à peu près 40% français, le reste c'est un peu Europe et Amérique du Nord, Amérique du Sud, quelques Asiatiques et Africains, mais c'est vrai que c'est les gros pôles sont là. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le niveau global des connaissances augmente. Alors, les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisamment robustes pour qu'on puisse construire la chose. C'est-à-dire que comme nous, ce sont des outils de sensibilisation, ce qu'on a aujourd'hui, le certificat, le TOEFL, sortira au printemps prochain. Mais ces outils de sensibilisation permettent déjà de donner des grandes tendances. Et on s'aperçoit, évidemment, deux choses. Les choses augmentent, la compréhension globale augmente et je pense en effet, on en parlait, Hélène l'évoquait tout à l'heure, le fait que depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'éducation nationale a commencé à mettre des briques dans le primaire, puis dans le secondaire, et puis depuis 2-3 ans maintenant l'enseignement supérieur a pris un peu le pas. Pendant très longtemps, il y avait quelques écoles pionnières, mais c'est vrai que maintenant, la quasi-totalité, notamment avec la pression des étudiants, n'ont pas vraiment le choix et se sont enclenchés là-dessus. La vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on va au-delà d'un master spécialisé qui est indispensable, informer des experts est absolument indispensable, mais pour reprendre ce que disait aussi Hélène tout à l'heure sur les habitudes, tous les directeurs développement durable que je connais confirmeront le fait que, moi j'ai fait pendant 15 ans, j'ai passé plus de 60-70% de mon temps, non pas à résoudre le problème, mais à convaincre mes collègues qu'il y avait un problème. Et ça, on n'a aujourd'hui plus le temps de faire ça. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on arrive à diffuser de façon excessivement massive ces connaissances, en sachant qu'on a besoin de plusieurs choses pour passer à l'action. On a besoin de connaissances, on a besoin de connaître le problème. Si vous ne savez pas qu'il y a un problème climatique, aucune raison que vous changiez vos comportements. Il faut avoir conscience que du lien qu'on a avec le problème, alors les choses que je produis, mes externalités, mais aussi qu'est-ce que ce problème va avoir comme conséquence sur moi. Et puis, évidemment, des idées ou des pistes de solutions, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai une capacité. On parlait d'obsolescence de connaissances, pendant très longtemps, les universités ou les grandes écoles donnaient la solution. Aujourd'hui, plus personne ne connaît la solution, c'est-à-dire personne ne sait à quoi va ressembler l'économie dans quelques années. Donc il y a quelques faits scientifiques, puis après il faut surtout apprendre aux gens à se questionner et avoir justement cette vision systémique et à se dire, quand je vais appuyer sur ce bouton, si je suis directeur financier, est-ce que ce serait le même bouton que j'appuierais si j'étais le DRH ou si j'étais un riverain ou si j'étais un élu ? Et tout à l'heure, Monsieur Lescure en parlait, je pense que ce qui est important dans une société, c'est que l'ensemble bouge, et l'ensemble, c'est une composante, évidemment, l'État est là, et il a un vrai, vrai rôle, qu'il doit jouer, assumer, et avec courage. Il y a les entreprises, qui sont évidemment un levier de changement, et puis il y a toute la société civile en tant qu'individu, et donc en tant qu'étudiant, par exemple, mais la société civile aussi en tant qu'organisation, c'est-à-dire que tout le travail que font les ONG, ou les mouvements de la Convention citoyenne, par exemple, ou des choses comme ça, sont des choses qui, pour les entreprises, pour le climat, sont des initiatives qui... C'est tout ça qui va faire bouger le système. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des grandes améliorations. On voit quand même qu'on est très, très souvent quand même pas très, très loin de la connaissance qui relève de la brève de comptoir. Il y a quelques sujets qui sortent. Le climat, depuis Greta Thunberg... est devenu un sujet, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait encore M. Allègre qui était là, et donc la moitié de la population se posait la question. Aujourd'hui, ça y est, on a passé ce cap. Sur la discrimination homme-femme, c'est pareil. Et pendant très longtemps, on a dit, oui, c'est le cas de quelques machistes. Ok, donc c'est aujourd'hui qu'il y a 20% des femmes, enfin, 20% des femmes seront payées 20% de moins malgré la loi. Donc aujourd'hui, ça s'améliore. Après, le problème, c'est que l'émergence de ce sujet, et on est tous ravis, le fait qu'on parle de plus en plus de ça, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'auto-déclarent experts, et c'est ça qui est important. Et l'outil qu'on va sortir, notre certificat, va permettre de se dire, eh bien, une personne qui a suivi ce cursus, ou une personne qui a été dans cette entreprise, et puis qui a fait ça comme expérience, eh bien, il est à ce niveau, et puis telle autre personne, elle est à ce niveau. Et l'idée n'est pas de faire une compétition, mais au moins de pouvoir se positionner pour pouvoir ensuite enclencher des démarches pour apprendre un peu plus, pour aller un peu plus loin, et surtout pour passer à l'action
Parce que le savoir, c'est très très bien, mais c'est évidemment pas du tout suffisant. Merci, merci beaucoup Jean-Christophe. Sur cette question de la pédagogie sur le durable et le responsable, il y a un problème supplémentaire, c'est que pour pas mal de gens, notamment certains jeunes, certains mouvements politiques, le mouvement woke peut-être en est un exemple, pour certains, Roland, être responsable en matière écologique et de durabilité, c'est être radical. Il n'y a qu'une façon d'être responsable, c'est d'être radical. Les deux mots s'opposent a priori. Alors comment sortir de cette... Non mais d'abord, moi j'ai rien contre la radicalité. Face à un problème compliqué, urgent, il faut oser être radical. Mais être radical, ça ne veut pas dire être extrémiste. Ça ne veut pas dire être caricatural. Ou ça ne veut pas dire... Et je veux pointer personne, j'essaye d'illustrer plutôt la manière dont on doit débattre. Donc il ne faut pas que je sois la caricature de ce que je ne souhaite pas être. Mais éviter le dogmatisme. Je vais donner un exemple très concret, qui est ma conviction. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir à la fois, j'en suis convaincu, développer le nucléaire du futur, développer l'éolien, développer le solaire. Les éoliennes sont en train de devenir un espèce de totem ou une balle de ping-pong politique qui risque de faire l'objet, dans le cadre de la campagne, d'opposition extrêmement sévère et très française. Parce que quand on regarde Saint-Brieuc et d'autres, quand on regarde les pays qui nous entourent, ou ceux qui sont vraiment en train de se développer très fortement sur la transition écologique, la Chine, l'Inde, mais évidemment, ils développent l'éolienne. Ça fait partie de la solution. Mais quand on voit face à ça des gens qui disent « le nucléaire, c'est le diable, il faut en sortir », quand on voit notamment que certains pays qu'on souhaite en sortir, l'Allemagne pour ne pas les citer, a du coup dû relancer des centrales à charbon, je me dis « peut-être qu'on peut avoir un débat sans trop de totems, nucléaire ou éolien », assez, je dirais, équilibré sur la manière de, ensemble, pouvoir faire face à ce sujet majeur qui est celui de la transition écologique. Donc oui, en restant sur le nucléaire, mais en développant le nucléaire de demain et d'après-demain. Deux, en développant l'éolien, mais en s'assurant qu'il soit acceptable localement. Trois, le solaire, l'hydrogène, hein, sur lequel on investit aussi beaucoup. Donc c'est vraiment dans un moment, et on parlait de woke tout à l'heure, où clairement, la conscience des particularités, ça c'est bien. Mais la division autour de ces particularités qui fait qu'on ne peut plus se parler ensemble parce qu'on est chacun dans notre boîte, ça c'est vraiment pas bien. Et on rentre dans une campagne électorale, donc je suis extrêmement sensible à ça. Je vais faire un peu de pub moi aussi. Moi, j'ai écrit un petit bouquin récemment qui sort, qui s'appelle « Totem et tabou, nos totems et nos tabous, dépassons-les ». Édition de l'Aube, 20 euros. Édition de l'Aube. Droit d'auteur, secours populaire. Donc je ne m'enrichirai pas dessus. Mais au-delà de la plaisanterie, je pense que ce que j'essaye de faire dans ce bouquin, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des vrais totems, nucléaire, éolien et quelques autres, la diversité, notre rapport au racisme, aux discriminations. Et plutôt que de les aborder de manière extrêmement clivée, extrêmement tendue, extrêmement conflictuelle, est-ce qu'on est capable, par exemple, dans le cadre d'une campagne électorale, d'avoir des débats raisonnés visant le compromis? Ça peut sembler impossible aujourd'hui. On sort d'une campagne électorale en Allemagne où on a eu des débats entre candidats, où on n'a jamais eu d'invectives, on n'a jamais parlé d'ailleurs d'islam ou de racisme ou de diversification ou de grand remplacement ou je ne sais pas quoi. Enfin, donc on est capable de faire ça. Le Canada vient d'avoir une élection dans laquelle on est capable. Donc je pense qu'on a besoin tous de se regarder un peu et merci d'ailleurs aux organisateurs, parce que je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de débattre de manière raisonnée de ces sujets complexes, de manière à trouver des équilibres qui nous permettent d'avancer ensemble. Merci Roland. Peut-être juste un point que je voudrais rajouter. Sur ces sujets, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on est sachant. Il faut accepter de se dire qu'il faut apprendre tout au long de sa vie et pas forcément qu'au moment T. La RSE en tant que telle a extrêmement muté et le changement législatif, ce que permet la loi PAC, ce que permet la comptabilité à la fois carbone, la comptabilité de la biodiversité, vont tous nous entraîner dans un changement où le but, c'est pas d'apprendre une fois, c'est de créer des systèmes dans lesquels on va apprendre tout le temps pour engager tout le monde dans cette transformation. Et ça, je pense que c'est très important. Merci. Merci Céline d'avoir partagé ça. On a la très grande chance d'avoir avec nous, en distanciel, quelqu'un d'assez exceptionnel. Et pour animer pas mal de débats, on rencontre rarement ce profil. Marion Chéniaud-Dupuis, donc je vous le disais tout à l'heure, directrice générale de Global Nomade, guide de haute montagne.
Marion, vous êtes, alors vous n'êtes pas dans l'Himalaya, je crois que vous êtes en Bretagne, vous m'avez dit, mais vous êtes chef d'expédition Clean Everest. Et là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé, mais vous, ça va être ce que vous allez nous dire, c'est très, très, très tangible et visuel. Vous avez décidé de nettoyer l'arête nord-est de l'Everest. Donc ça paraît dingue. 10 tonnes de déchets en 4 ans, 50 guides de montagne tibétains, 100 grimpeurs bénévoles chinois et étrangers et 50 yaks. Donc racontez-nous comment fonctionne cette entreprise que vous dirigez. Merci de me permettre de m'inscrire dans ce débat. Et voilà, je suis en Bretagne, là, je suis au siège, enfin, dans le berceau de l'entreprise à mission, justement, Yves Rocher, qui s'est donné comme mission de reconnecter les hommes, les femmes, les enfants à la nature. Et voilà, je vais en reparler un petit peu plus tard de comment, justement, se reconnecter. Mais avant de rentrer dans ce sujet concret donc d'une entreprise en France qui s'est donné cette mission, je vais parler d'un peu de mon parcours au sein de Global Nomade, qui donc avant d'être un projet de nettoyage de l'Everest, c'est une entreprise qui a pour vision d'accompagner les entrepreneurs sociaux tibétains. Voilà, pour permettre à leurs valeurs, les valeurs tibétaines, de compassion, de prendre soin, de connexion à la nature, d'inscrire en fait ces valeurs, les incorporer dans des modèles économiques au sein de leur entreprise, voilà, dans le système économique chinois. Donc, pour donner un exemple de comment ça se passe, concrètement, de monter des projets d'entreprise sociale en Chine, au Tibet. Ben voilà, donc le projet Clean Everest, il est né d'un partenariat avec l'école de guide de haute montagne à Lhasa, la capitale du Tibet, dans laquelle une entreprise, donc une compagnie des guides, une compagnie de guides de haute montagne, organisait donc des expéditions pour la clientèle chinoise jusqu'au sommet de l'Everest et sur d'autres hauts sommets d'Himalaya. Et donc, j'étais formatrice dans cette école pour parler d'écologie et d'entrepreneuriat social. Et en échange, parmi nos échanges de compétences dont on parle et l'importance de se former, donc les guides m'ont formée à la très haute montagne. Donc, je suis montée au sommet de l'Everest 3 fois avec eux pour comprendre un peu les réalités du terrain, comprendre ce qui se passait là-haut, pourquoi les alpinistes du monde entier cherchaient absolument à atteindre ce sommet et en redescendant, en fait, laisser leurs déchets derrière eux. Donc, j'ai vécu tout ça. J'ai compris à quel point le cerveau se déconnectait là-haut. Hein. Le cerveau, on va dire, qui analyse, qui anticipe la partie frontale du cerveau, qui planifie et qui, elle, en fait, à cette haute altitude, n'arrive plus, en fait, à connecter avec... avec cette pensée d'anticipation. Si je laisse mes déchets, bah, personne ne va les descendre. Et en fait, il n'y a plus que l'instinct de survie, voilà, qui rentre en ligne de compte dans ces moments de redescendre du sommet de l'Everest. Et effectivement, dans ces moments-là, bah, les alpinistes ne savent pas, en fait, gérer leur complexité interne de voilà, l'envie de être responsable et en même temps le fait de pas avoir les ressources je dirais mentales pour le faire ou enfin les ressources tout court. Et donc voilà, 30 ans d'expédition commerciale ont laissé derrière elles en fait 10 tonnes de déchets sur l'Everest. Donc en 2016 on a commencé le grand nettoyage, après on a monté un modèle de gestion des déchets avec des bénévoles de tous les pays, mais des bénévoles aussi bien sûr locaux, parce que c'est une initiative qui est essentiellement basée sur des valeurs tibétaines de respect de la montagne. La montagne est sacrée. Les Tibétains ont une vision, un lien sacré avec leur environnement et avec notamment la montagne qui sert en fait de source de vie, parce que c'est une source d'eau en fait pour toutes les rivières et tous les fleuves qui vont après se jeter dans le bassin du sud-est asiatique.
Et donc, ce rapport sacré à la nature, il est essentiel, il fait partie de la culture. Et c'est là aussi où je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur, et ce sera un peu le message principal que je voudrais faire passer, c'est sur l'importance, en fait, de reconstruire, en fait, une vision du monde basée donc sur à la fois une sagesse ancestrale qui est en nous, qui est dans notre corps, dans nos émotions, dans notre connexion profonde à nous-mêmes, et qui peut être aussi transmis de génération en génération quand on sait vraiment la garder vivante en l'incarnant dans notre quotidien, dans nos actions, et de replacer au centre, en fait, de nos apprentissages cette reconnexion à nous-mêmes. Et c'est ce que d'ailleurs cherche à faire l'entreprise donc Yves Rocher, où je me trouve aujourd'hui en Bretagne, c'est cette reconnexion à soi-même, en fait, parce que les réponses, les sagesses, en fait, pour faire face à tous ces enjeux, on les a en nous, dans notre corps, dans nos émotions. Quand on sort, en fait, de notre capacité uniquement mentale à anticiper, à analyser, à comprendre, mais qu'en fait, on redescend dans des couches plus profondes de nous-mêmes, hein, et qu'on arrive, en fait, à laisser un peu notre mental se calmer et à laisser émerger une autre type, en fait, de compréhension du monde, de vision du monde, qui est, en fait, connectée à la nature, parce que notre corps, nos émotions, c'est de la nature. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Mais voilà, tout nous a, dans notre éducation, poussé en fait à cette déconnexion. Donc aujourd'hui, pour la retrouver, ça va demander un grand travail de nettoyage de toutes ces pensées complexes qui nous empêchent en fait de revenir à une simplicité de l'être, ce que l'on est véritablement. Et c'est là où je pense que les réinventer une culture, ça va aussi passer par se tourner vers l'intérieur de nous-mêmes, et passer un peu de temps en fait en contemplation. Alors c'est plus facile de faire ça en Himalaya que dans les sociétés modernes occidentales, mais je crois que ça fait partie des grands enjeux de demain. Merci beaucoup Marion. Ce que je comprends en vous écoutant, et d'ailleurs s'il y a des commentaires, ça va être très intéressant, ce que je comprends, c'est que les deux mots choisis pour définir cette table ronde, durabilité et responsabilité, ce que je comprends en vous entendant, c'est que vous les trouvez faibles. Vous les trouvez faibles, vous avez prononcé le mot de sacré en fait. Vous avez élevé le débat qui était déjà de très bon niveau, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous pensez qu'en fait les mots qu'on emploie sont trop utilitaristes, trop mécanistes pour prendre toute la mesure du défi environnemental et climatique. Oui, mais je cherche déjà à honorer en fait le lien qui nous permet de nous inscrire ensemble sur cet échange et cette table ronde. Et ça, pour ça, voilà, je respecte l'intelligence collective qui est en train de naître grâce à ces moments de partage de toutes nos visions. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on peut renverser les idées, les remuer, les secouer et en faire quelque chose, voilà, qui nous transforme tous véritablement. Donc, moi, je mets pas vraiment de niveau de hiérarchisation sur les idées, simplement. Je crois que c'est aussi dans la notion d'inclusivité, enfin d'inclusion, pardon, c'est d'inclure aussi ces dimensions sacrées, ces dimensions du corps, ces dimensions du cœur dans le débat. Voilà, donc c'est pour ça certainement que j'étais invitée, et c'est pour ça que c'est là aujourd'hui dans notre espace de cercle de parole. Merci beaucoup. Roland, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant Marion ? D'abord, chapeau, parce que au-delà de l'inspiration sacrée, donc. Elle parle, elle est quand même capable de traiter la schizophrénie qu'on a tous. Elle le disait, il y a des gens qui montent sur le toit du monde avec la véritable volonté d'être en harmonie avec la nature et qui la détériorent en descendant. Et elle, certes, elle est, je pense, visionnaire, convaincue, peut-être même habitée, mais elle est quand même montée avec des sacs poubelles pour faire le ménage. C'est-à-dire que je pense qu'on y arrivera que si on est capable de faire l'un et l'autre, d'avoir une espèce de prise de conscience collective que ce genre de discussion arrive à mettre en œuvre, mais aussi avoir des résultats concrets. La loi PACTE, c'est un peu ça. On a créé des outils qui ne servent absolument à rien si les acteurs économiques ne s'en saisissent pas. Et pour une fois, je pense, on a essayé d'éviter le tropisme de la niche fiscale, qui est on crée un truc, on fait une niche fiscale et tout ira bien. Non. La réalité, c'est qu'on crée des outils qui n'auront aucun impact si les entreprises ne s'en saisissent pas, mais qui auront un impact très important et bien plus intéressant que
une exemption fiscale qui apporte pas grand-chose, si elles s'en saisissent et si on arrive à créer cette dynamique qui, je pense, est en train de se mettre en place. Donc c'est... Il y avait une émission célèbre de mon temps qui s'appelait La tête et les jambes. Il faut faire les deux. Il faut penser, il faut voir, mais il faut aussi courir. D'accord. Anicia, vous avez envie de réagir ? Oui, je réagissais par rapport à cette schizophrénie dont on parlait, ou si je reviens par rapport à l'enseignement, où on a des étudiants qui sont en effet très sensibilisés à ces sujets et qui pour autant voudraient parcourir le monde. Et où là, on retombe dans une durabilité questionnable et de trouver le bon moyen. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'inclusivité et c'est aussi inclure que d'amener nos étudiants et nos futures générations à aller voir d'autres pays, d'autres cultures, exactement comme on vient de le voir par rapport à la culture tibétaine. Et je pense que ça, c'est important. Et selon plusieurs fois, la question est revenue de se dire il faut trouver le bon curseur et arriver à trouver en fait les bonnes solutions pour changer bien évidemment nos comportements aussi, mais ceux qu'on estime indispensables pour être aussi une terre mondialisée et sur lequel on a aussi conscience des autres, que ce soit à côté de chez nous. Vous parliez tout à l'heure des jeunes en situation de difficulté ou dans les quartiers difficiles, où là aussi on a des actions qui sont beaucoup plus faciles en termes de durabilité parce qu'elles sont juste à côté. Donc là on est plus sur l'inclusivité. Mais aussi dans d'autres régions du monde, mais de le faire avec les bons moyens et pour les bonnes occasions. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut arrêter d'aller voyager pour une semaine, mais par contre, si on part en échange pendant un an, et ben là, ça fait sens. On a un voyage, mais après, on arrive à trouver une autre culture, à grandir, à voir d'autres choses, comme par exemple le Tibet. Et là, ça apporte vraiment quelque chose. Donc je pense qu'il y a vraiment ce curseur à bien positionner par rapport aux activités qu'on fait. Alors moi peut-être pour rebondir plus sur la dimension un peu sacrée et spirituelle, c'est que si aujourd'hui on arrive à parler de développement durable en entreprise, le sujet de la conscience ou de la spiritualité, la réflexion sur la place de l'homme dans la nature, c'est-à-dire beaucoup questionnent le monde de l'anthropocène, est-ce qu'il ne faut pas se reconnecter dans une nature de manière vertueuse ? Le sujet aussi, on en parle moins, mais du burn-out. En fait, moi, j'ai écouté des philosophes et des personnalités qui réfléchissent beaucoup sur ces thématiques. Ils disent, en fait, la problématique de la planète qui brûle en ce moment, parce qu'elle brûle, notre planète, et la problématique des individus qui brûlent dans les entreprises, elle est la même. Elle est liée, en fait, au fait qu'on soit sur une société qui est aujourd'hui sur un cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on est dans un mode de production intensive permanente, et on n'est plus dans un monde où on laisse un peu de place à cette conscience. Ce n'est pas forcément le religieux, c'est la réflexion de notre raison d'être, nous individus. Et peut-être se reconnecter à la fin sur le développement durable, c'est une réflexion sur la possibilité que notre humanité perdure. Ce n'est pas une utopie du marketing, c'est vraiment le sujet de se dire, on est à l'aune d'une brèche, à la fois sur le sujet de l'inclusion de la société, et à la fois sur le sujet du respect de la nature, où peut-être demain, nous ne serons pas là si nous continuons dans ce mode de développement. Et il y a beaucoup de choses positives, parce que je ne voudrais pas qu'on termine sur une connotation négative, c'est que le sujet des nouveaux imaginaires, le sujet des récits qu'on nous propose, il est indispensable. Et le sujet de la créativité, à l'aune de cet enjeu, il est merveilleux. Parce qu'on a la possibilité, justement, de se réconcilier avec... on a fait 100 ans un peu de consommation. Il nous faut 3 planètes pour assumer notre mode de vie. Et là, on peut se repenser, se reconnecter. Et moi, je trouve que c'est un formidable message d'espoir. Il n'est pas que pour les jeunes, il est pour tout le monde. Et qu'on peut tous y participer. Merci, Céline. On commence à avoir des questions de notre public qui nous... Regarde, partout en France, c'est la puissance des RDD. Nous avons une question de Diane Stevens qui porte évidemment sur la question de la formation, du recrutement, etc. Dans le cadre de l'inclusivité dont il a été question et de l'obsolescence programmée des compétences, quelles sont vos actions permettant l'inclusion des jeunes de milieux populaires ayant souvent des soft skills plus développés que d'autres jeunes ? Alors, c'est une question très importante et je voudrais la reformuler légèrement. Le système français, le système habituel, c'est on cherche les hard skills, et puis s'il y a les soft skills, c'est un plus, tant mieux. Est-ce qu'il ne faut pas inverser la pyramide, recruter les gens sur les soft skills, et ensuite les former aux hard skills ?
Voilà, c'est très important. Anicia. Oui, alors c'est vrai qu'en école de commerce, on met les soft skills au cœur aussi. Donc, on va y revenir. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important. On a de toute façon, j'ai envie de dire, pour les étudiants qui ont la chance de faire des études supérieures, ils ont forcément des hard skills. Et tous à peu près les mêmes s'ils suivent la même voie. Évidemment, c'est pas pareil si on est ingénieur ou si on sort d'une école de commerce ou si on sort d'autres écoles selon la spécialité. Mais ça, j'ai envie de dire... tous les professeurs de ces écoles-là vont les fournir à leurs étudiants. D'accord. Et c'est vrai que la différence se fait effectivement sur les soft skills, et c'est quelque chose qu'on intègre depuis longtemps, mais de plus en plus dans nos formations. Et justement, on en parlait récemment parce que alors nous, on a une manière très systémique de voir le développement durable au sein de nos enseignements depuis longtemps à CAGE. Donc c'est quelque chose, le mot est souvent revenu. Et on parlait de l'obsolescence programmée par rapport, on voit beaucoup d'entreprises revenir vers nous pour de la formation continue sur ces sujets-là. Et quand on en discute justement, le sujet là des hard skills revient parce que ces personnes-là ne les ont pas étudiées lorsqu'ils étaient étudiants. Donc évidemment, on a ce côté-là. Mais on a beaucoup, et je dirais au moins 50%, des demandes de formation de conduite au changement, de soft skills, justement, parce que oui, il faut un côté hard skills pour comprendre ce qu'est le développement durable, quelles sont les solutions qui existent, même si après, les solutions sont à personnaliser et donc doivent sortir de création collective, d'ateliers de création collective au sein des entreprises, comme le disait très bien Hélène Vallade tout à l'heure. Mais la partie vraiment soft skills, même pour des gens qui sont déjà des professionnels, est importante. Donc il est bien évident que par rapport aux étudiants qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude, sauf s'ils sont alternants ou ils l'ont un petit peu plus, d'évoluer en entreprise, c'est des compétences qui sont très importantes. Et je pense que cette richesse par rapport à l'inclusivité, et on parlait des jeunes qui ne voient pas l'enseignement supérieur comme une évidence, on a, nous, engagé, par exemple, nos salariés à aller, grâce à l'association Télémac, d'aller tutorer des collégiens qui ne viendront pas forcément chez nous, ce n'est pas le but, mais qui iront s'imaginer en études supérieures. On a nos étudiants qui coachent via les cordées de la réussite des lycéens pour les amener aussi vers les études supérieures, pas forcément les nôtres toujours. Mais l'idée, c'est vraiment justement d'aller chercher ces personnes-là. Alors, on parle des quartiers difficiles, on peut aussi parler des territoires ruraux, qui sont un autre sujet, mais aussi très important, parce que là, on n'a pas du tout les mêmes blocages pour venir faire des études supérieures, parce qu'on a cette notion d'éloignement par rapport aux universités. Et je pense que cette richesse-là, par rapport au développement durable et par rapport à la création de solutions, est très importante. Alors, Roland, on va revenir vers vous tout à l'heure, mais Anicia, merci beaucoup. Là, vous venez de nous dire que les écoles de commerce ont des programmes pour pratiquer l'inclusivité et faire ce que l'on souhaite ici, c'est-à-dire que les soft skills soient mieux respectés. Mais le problème, on le sait très bien, ce sont les RH dans les entreprises. On va se tourner maintenant vers Hélène Vallade et lui demander si elle, à LVMH, une partie de sa mission n'est pas de convaincre sa collègue des RH de justement faire preuve de modernisme, d'innovation, pour que les soft skills, les profils originaux puissent entrer dans le groupe. Est-ce que c'est une partie de votre mission ? Ah, écoutez, j'ai pas besoin de la convaincre parce qu'elle est extrêmement convaincue. Et j'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à vous annoncer, la préoccupation de la personne qui a formulé la question. Dans un groupe de luxe comme le mien, on se heurte bien sûr à des images qui sont un peu parfois compliquées de nos métiers. Et du coup, un certain nombre de jeunes dans un certain nombre d'endroits n'osent pas postuler pour accéder à certains de nos métiers, notamment à des métiers artisanaux, à des métiers de haute couture en fait. Et donc, on vient d'annoncer là le recrutement de 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans les 2 ans qui viennent. Mais on ne l'a pas fait comme ça, juste en annonçant ça. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Inside LVMH, qui permet justement à ces jeunes qui n'auraient pas automatiquement pensé, ou encore une fois, osé nous envoyer des candidatures, eh bien, de découvrir l'ensemble de nos métiers,
de découvrir tous les savoir-faire qu'il y a avec et d'organiser une passerelle avec des instituts, des métiers d'excellence que nous co-animons dans plusieurs endroits en France, justement pour former à ces métiers d'apprentissage. Donc, en effet, c'est un sujet capital et je pense que la capacité des entreprises à mettre en place les outils qui vont permettre l'accès l'accès non seulement à l'emploi et puis du coup à la formation est absolument primordial. En une seconde, je voulais aussi réagir sur autre chose qui m'a beaucoup touchée et merci infiniment au témoignage de Madame Chéniaud. Je trouve que ce qu'elle dit est fondamental dans ce besoin de reconnexion à la nature. On vient de lancer, nous, à LVMH, une nouvelle boussole environnementale qui part exactement de ce principe-là. C'est-à-dire, on arrive à la fin de l'anthropocène, à la fin de la domination, au fond, de l'homme sur la nature. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de créer des alliances entre la nature et la créativité pour le luxe. Et ça, ça veut dire une reconnexion avec ce qu'est vraiment la nature, parce que on est tous au fond, je crois qu'il y a 70% d'urbains dans le monde et que ce pourcentage va encore progresser dans les années qui viennent. On a une vision de la nature qui est soit complètement idéalisée, soit complètement inexistante. Et si on veut vraiment être dans cette transformation que vous avez les uns et les autres formulée, alors il faut réapprendre ce que c'est la nature, ce qui permettra aussi d'avoir par moment le courage de la nuance, parce que tout n'est pas très simple dans la nature. Et on ne peut pas dire, par exemple, voilà, il suffit de retourner au naturel et puis tout ira bien. Donc, il y a beaucoup de complexité dans cela. Mais je pense que ce mouvement, cette direction, moi, je rêve de classe verte pour tout le monde en entreprise, par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de mettre en place. D'ailleurs, si mon ami Jean-Christophe veut m'aider là-dessus, ça serait très bien. Et voilà, donc alliance entre nature et créativité me semble un mot d'ordre très important pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Roland Lescure, vous êtes un homme politique. Vous êtes au pouvoir depuis 5 ans. La France est un pays pour revenir à cette histoire de l'inclusivité des jeunes en difficulté, la France est un pays qui dépense énormément d'argent pour contrer les inégalités, avec une certaine efficacité. C'est un système très très onéreux, mais qui a une certaine efficacité à un instant T. Mais la catastrophe, c'est la mobilité. Ça ne crée pas de mobilité. Alors, est-ce qu'en 5 ans, vous avez modifié cette situation ou pas ? J'espère qu'on a fait des choses. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples concrets, 500 000 apprentis contre 250 000 il y a 5 ans, etc. Mais je pense qu'on a surtout contribué à changer un peu le logiciel. Vous le dites, la France dépense beaucoup pour corriger les inégalités, mais depuis des années, après coup. C'est-à-dire qu'on les laisse se créer, je caricature évidemment un peu, et ensuite on les corrige. Donc c'est vrai, quand vous regardez les faits, par exemple les inégalités de revenus, sont très importantes avant redistribution et sont parmi les moins importantes d'Europe après redistribution, parce qu'on a notre modèle social qui est utile. Mais est-ce que vraiment ce que les gens souhaitent, ce à quoi les gens aspirent, est de se faire corriger des inégalités dont ils souffrent ? Non, c'est d'être eux-mêmes acteurs de la réduction de ces inégalités, en montant une entreprise, en se formant, en créant, en travaillant dans une entreprise de demain. Donc c'est ce logiciel qu'on a essayé de changer, en disant plutôt que de les corriger après, on va essayer de les corriger avant. En général, moi, quand je demande à une assemblée quelle est la mesure emblématique de ce quinquennat, 4 fois sur 5, on me répond le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Pas seulement parce que ça fonctionne, hein, quand on parle à des instituteurs, on réalise que 3-4 ans après, ça commence à fonctionner. Mais la réalité, c'est qu'on saura si ça fonctionne dans 20 ans. Mais c'est parce que c'est extrêmement emblématique de ce qu'on cherche à faire. De dire, donnons à ceux qui ont le moins de chances au départ, le maximum de chances pour réussir. On l'a fait aussi, je pense, moi, avec la réforme du bac, qui d'ailleurs met un peu plus l'accent sur les soft skills que sur les hard, avec Parcoursup, sujet qui est encore un sujet de controverse, mais moi dont je suis convaincu qu'en faisant ça, on a réussi, j'espère, à mieux orienter les jeunes vers ce qu'ils souhaitaient faire. Et oui, peut-être faire un peu de sélection à l'université, qui fait qu'aujourd'hui, quand un jeune va apprendre l'anglais, ou quand un jeune fait de la psychologie, quand un jeune fait des maths, c'est avant tout parce qu'il voulait faire de l'anglais, de la psychologie ou des maths, plutôt que le fait de se retrouver là un peu par hasard. Mais il faut qu'on continue.
Il faut qu'on mette le paquet sur notre capacité, et notamment dans les quartiers en difficulté et les territoires éloignés, vous l'avez dit, très important, à rendre le pouvoir à ces jeunes, à leur donner les moyens d'aller eux-mêmes chercher leur destin. Et ça, la formation, oui. La relation avec l'entreprise, un truc qui m'est très cher, c'est la relation entre l'entreprise, la puissance publique, la recherche et l'université. Il y a quelques endroits en France, Michelin avait fait ça par exemple à Clermont-Ferrand, où des entreprises ont été capables de créer des hubs, des clusters, où l'entreprise locale, la commune, la région, l'université, l'école travaillent ensemble pour former les jeunes au métier de demain. Je vais finir avec un exemple. On a tous entendu parler à Béthune de l'entreprise Bridgestone, fabricant de pneus, qui a fermé son usine après clairement avoir pendant 10 ou 15 ans bénéficié d'aides publiques très importantes et pas beaucoup investi dans la formation et dans l'avenir. À 60 km de là, on va créer l'usine des batteries du futur, et en partie financée d'ailleurs par la puissance publique, la France et l'Allemagne, qui se sont mis d'accord pour créer l'usine des batteries du futur à 60 km de Béthune. Comment on fait pour s'assurer que ceux qui vont perdre leur job à Béthune, y compris des gens qui ont 45, 50, 55 ans, vont pouvoir, dans les 3-4 années qui viennent, être formés de manière à participer à cette usine des batteries du futur? Et là, on a tous un rôle à jouer. Mais je pense qu'on a cet optimisme. En tout cas, c'est mon cas. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui avec toutes les pressions que ça implique en passant, si je n'avais pas cet optimisme du fait que je pense qu'on peut y arriver. Donc, arrivons-nous. Peut-être dans les nouveaux modèles sur ça, je pense qu'aussi il faut repenser le parcours éducatif, rentrer peut-être plus sur le faire et pas forcément sur la compétence, développer les parcours de seconde chance. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont très enthousiasmantes avec la relocalisation aussi de certains secteurs d'activité en France. Je pense notamment au tissage de Charlieu, je pense dans les Vosges. Le relancement en fait des savoir-faire dans le textile qui sont extrêmement importants, et je pense que c'est un enjeu clé pour inclure des populations qui étaient éloignées de l'emploi et les remettre en mouvement. Et je trouve que cette opportunité de développement durable devrait créer des ponts d'inclusion beaucoup plus forts, parce que peut-être moins un peu basés sur de l'intellect et beaucoup plus sur de l'intégration dans le faire, dans la production, dans la contribution et dans le produire différemment avec nos compétences. Je peux dire un petit mot là-dessus, juste tout parce qu'on a encore une petite... Hard et soft, oui. Il faut les deux. On est à l'aube d'une révolution technologique qui s'accélère, donc il ne faut pas dire c'est fini les ingénieurs et vivent les avocats. Quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrive à avoir les deux. Mais chacun n'a pas besoin d'être les deux. Il suffit de créer des équipes diverses, ce qu'on a peut-être insuffisamment tendance à faire, pour s'assurer qu'ensemble, dans une logique de collaboration entre hard et soft, on soit plus fort. Merci Renaud. On a une question encore de notre public, de Fatima Atafi, qui sa question laisse entendre qu'en fait, c'est trop tard d'attendre l'université et l'école de commerce pour former au développement durable. Elle dit la chose suivante. Pour diriger de façon responsable, ne faut-il pas déjà être éduqué? Et cela dès le plus jeune âge. Quid aujourd'hui du développement durable à la maternelle, au primaire? Jean-Christophe, est-ce que vous, qui êtes un expert de la pédagogie sur ces sujets-là, vous pouvez répondre à la question de Fatima? On peut toujours faire mieux, et notamment, je pense qu'il y a un gros travail d'accompagnement du corps professeur, du corps professoral, hein, ça c'est clair, parce que les profs, en règle générale, apprennent avec leurs pairs. Et donc, là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à, que ce soit les professeurs des écoles en primaire ou que ce soit les professeurs d'université, comment est-ce qu'on accompagne les gens qui accompagnent à leur tour pour qu'ils montent en compétences. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faites, pour le coup, venant d'une famille d'enseignants du primaire, les choses ont énormément évolué et le développement durable, au moins dans le primaire, est bien entré. Après, la question, c'est plutôt quand on passe au secondaire et après, évidemment, l'enseignement supérieur, c'est comment faire pour pas que ce soit quelque chose qui une brique en plus, d'accord, quelque chose qu'on fait à la fin ou le dernier chapitre d'une matière, mais comment est-ce que c'est intégré dans mon cours, alors dans l'enseignement supérieur, dans mon cours de marketing? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis prof de marketing? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis prof
de finance ou de bio, hein, quelque part. Et je pense que là, il y a un vrai chantier qui est engagé par beaucoup. La question, c'est comment est-ce qu'on passe de... on se sert de quelques profs militants, quelque part, hein, les convaincus de la première heure, à... au ventre mou. On va pas forcément toucher les opposants, les 10-15% de toute façon qui sont en opposition avec ça. Mais comment est-ce qu'on arrive à massifier ça? Et c'est hyper important de le faire parce que former des profs aujourd'hui, c'est pas simplement former des gens en primaire qui demain vont devenir des adultes. C'est aussi, et Anicia en parlait tout à l'heure, la formation continue est absolument essentielle aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que c'est comme pour la rénovation des bâtiments, hein. C'est très bien de savoir construire des maisons, des nouvelles maisons bas carbone. La quasi-totalité des gens, on vit dans des maisons qui sont déjà existantes. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer le parc existant, et on ne va pas attendre que toutes les maisons actuelles disparaissent et qu'on reste sur des nouvelles maisons, très bien. Mais donc là, je pense que en pratique, la formation... Est-ce que les instituteurs de France sont formés au développement durable? Je crois qu'ils sont très auto-formés, quelque part, parce que la société bouge, qu'il y a beaucoup de sources documentaires. Je suis pas un spécialiste du primaire, mais pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est du ressort de la volonté personnelle de l'instituteur. Alors, je crois qu'au sein de Manifeste pour un réveil écologique, il y a ces questionnements. Et j'aurais juste prendre un cas concret qui est je ne sais pas si vous connaissez Babylou, leader des crèches. Ils sont venus me poser cette question. C'est aujourd'hui comment eux peuvent devenir aussi des vecteurs de contribution positive pour que dès l'enfance et dans la relation avec les parents et dans la manière dont ils créent leur parcours, ils intègrent ces notions de développement durable. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur le système public d'enseignement, de la maternelle jusqu'aux écoles de commerce. Il y a un travail à faire sur le privé, il y a un travail à faire avec tous les acteurs, et c'est clair que la responsabilité, c'est de l'infuser à tous les niveaux. Merci beaucoup Céline, il reste une minute, Roland. Non mais local, c'est-à-dire que je pense que c'est pas rue de Grenelle qu'on va décider la manière dont on va enseigner la durabilité dans les écoles de France et de Navarre. La crèche dont vous parlez, c'est une entreprise qui elle-même est consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, bravo. Il faut que dans les écoles, on ne fait pas du développement durable de la même manière en Creuse, à Paris, 9e arrondissement ou au fin fond de la Bretagne. Donc on doit vraiment tous se sentir responsables. Et le vrai sujet aujourd'hui de l'éducation nationale française, j'en suis convaincu, c'est qu'on a une organisation encore trop monolithique, pas assez décentralisée, dans laquelle on ne responsabilise pas assez les directeurs d'école, les enseignants qui sont capables de ça. Donc donnons-leur un peu plus d'autonomie et faisons en sorte que tous, à notre niveau, ici, mais aussi dans les territoires, on se saisisse de ce sujet pour qu'on le porte chacun dans notre couloir, si je puis dire. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci à vous, merci au public. Merci.